Très très heureux d'avoir encore cette version cette année. Ce soir, c'est la sympathie, l'amitié qui nous lie et qui nous permet de faire des rencontres de pétanque. La longue, c'est magnifique, le jeu provençal aussi. On souhaite que ce concours soit le plus beau et pas un des plus beaux. Et j'espère qu'on va y parvenir. Je suis très fier de participer déjà à ce tournoi et puis je suis surtout très fier pour la BFC qui me permet d'avoir de la visibilité parce qu'on a vraiment des champions à l'accro. Je suis vraiment très 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 fier d'être à leur côté, surtout en plus ce soir avec mon ami monsieur Christian Simon et Henri Lacroix de pouvoir jouer et ils compensent vraiment mes carences, hein, je ne vous cache pas. Allez messieurs, venez prendre place sur vos terrains attribués. Le national de l'accro n'est pas un des plus beaux, mais c'est le plus beau. Au niveau pétanque et jeu provençal, le département de référence, c'est le Var. Le gentleman fait partie de ce but-là, découvrir les partenaires, les élus, les gens de la mairie et partager un très bon moment convivial. C'est, comme d'habitude, très bien organisé. En tous les cas, merci pour cette soirée. J'ai joué 7 ans avec Henri. Il était déjà aussi fort quand il avait 10 ans qu'aujourd'hui. Ça a laissé un ancrage à la Farlette. En l'accro, il y a une très très belle société avec un très très gros palmarès. Je me régale de les voir jouer. On va pouvoir applaudir bien fort nos deux équipes finalistes quand même. Bien joué. Bravo, oui. Bien. Belle à point, Diff Palmieri, un point supplémentaire, oui. Ce qui porte le score à 8 à 1. Le sommaire de l'accro qui se fâche. D'une part, je félicite les gagnants, mais je profite aussi de cet instant de parole pour remercier tous nos partenaires qui ont été affichés. Donc, passez une bonne soirée et à l'année prochaine pour refaire une belle soirée.